Théma, tu veux voir un truc de ouf ou pas, Théma, Théma, regarde bien. Attends, regarde. Attends. Yo, quand je sens pas, mon pote. Oh, je transperce le sol, mon pote. T'es mon pote. Wow. Oui. Oh. Quoi non. Gros sein huilé. Gros sein huilé. Huilé. Gros sein huilé. 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 Putain mec. Et bien bonjour à toutes. Et à tous, c'est Maxou. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de mon très cher ami et acolyte et businessman et ami. Ça fait un petit peu beaucoup. Et bonjour à tous, c'est Cause. Enchanté de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Putain, il est beau ton skin. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la version 2 de notre projet qu'on avait fait avec Cause. Diviacraft, dans sa nouvelle version, sa version finale. Nous avons corrigé tous les bugs qu'il y avait sur le serveur, tous les petits soucis qu'on avait à la V1. Et du coup, on vous a proposé une V2, vous aviez été nombreux à demander, faites un reset et tout, des factions, etc., etc. Donc c'est ce qu'on a fait, on vous a tout remis le serveur à zéro proprement. Et Maxou, quand est-ce que le serveur va ouvrir? Parce que c'est ce qui intéresse tout le monde, je pense. Ah putain oui, je suis idiot. Le serveur ouvre ce vendredi 27 novembre de l'année 2017 à 14h pétant. Très bien. Je mettais mon Skype pour ne pas déranger parce que c'est... C'est dérangé, donc j'ai mis en ne pas déranger. Donc du coup, nous, on vous avait déjà fait une présentation, donc avant tout, on tient à remercier tous les youtubeurs qui ont décidé de faire des présentations, que ce soit Shadowbass, tout ça, merci. Minsko, tout ça, merci à tout le monde, merci à Diamo qui nous a beaucoup aidé pour le recrutement des youtubeurs. Un gros merci à Mushmush qui a fait la vidéo gratuitement de son plein gré. Merci Mushmush. Et du coup, voilà, donc on vient vraiment de faire un serveur propre. On a fait un serveur propre pour les youtubeurs et pour les joueurs. Du coup, pour les youtubeurs, pour qu'ils puissent venir faire des admins séries, tout ça très facilement. Donc vous pouvez obtenir le grade youtubeur, vous aussi, si vous avez une grosse chaîne YouTube, enfin grosse, non. Pas forcément grosse, mais il va vous falloir une moyenne d'à peu près 20 000 vues par mois. Donc c'est la moyenne, c'est dans ces eaux-là. Et il faut que vous ayez une chaîne Minecraft, donc on vous mettra tous les liens et tout si vous voulez nous contacter. Parce que là, je pense que ça vous donne un peu envie, dans le sens où il y a pas mal de gros youtubeurs qui ont déjà fait des vidéos. Et on a également pas mal de bonnes nouvelles également pour vous à la 7v2. Donc par exemple, les cracks maintenant peuvent rejoindre. En fait, ils ont besoin de ce slash login et les premiums n'auront pas besoin de se connecter avec un slash voilà, login. Donc là, on peut se dire, ça va poser un problème au niveau des cheats, mais pas du tout, parce que je vais laisser du coup Max expliquer tout ça. Alors, nous avons un très bon anti-cheat. Je tiens à le répéter vraiment. On a encore refait les tests tout à l'heure avec Diamo et tout, mais franchement, c'est cool. Impossibilité de fly, impossibilité de speed hack, tout ça, vous aurez aucun souci avec ces joueurs cancer qui viennent poser des problèmes. Et nous avons donc du coup fait une équipe de modérateurs qui sera encore remplie, mais vraiment une grosse équipe de modérateurs, et surtout un petit logiciel qui leur permettra de les cheaters très rapidement. C'est-à-dire que vous serez jamais ban sans raison, les mecs qui vont venir vous vérifier, ce sera toujours propre, et également ce sera très rapide. On va pas être le staff super casse-couille qui vous vérifie pendant 3 quarts d'heure là. Nous on lance un truc, c'est fini, on sait si vous cheatez. Et puis, voilà quoi. Clique sur la boutique. Donc du coup, la boutique, on n'a rien changé. Hein. Pour ceux qui voulaient savoir, on a laissé la même boutique. Donc sachez bien que vous n'avez pas perdu vos grades. Hein. Oui, vous les gardez. Pour ça. Surtout vous gardez pour ça. Tous vos grades. Hein. On n'a pas cherché à vous enlever vos grades comme les autres serveurs font quand ils font une nouvelle version. On n'est pas là pour ça. On a laissé les grades de tout le monde. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Ensuite, comme vous pouvez le voir, on a mis le spawn un petit peu en mode Noël. Voilà, ouais. On a galéré. Hein. Franchement, ça a été fait à la main et tout. C'est nous qui l'avons fait. Il n'y avait même pas de builder ou quoi. C'est vraiment nous tous en fait. On a vraiment bossé dessus, donc du coup voilà un nouveau staff, un nouveau spawn, un nouveau serveur on va dire avec tous les bugs réglés, les bugs au niveau des events, tout ça, les events totems qui vont être disponibles tous les jours pour gagner des event coins, et du coup avec ces event coins vous pourrez acheter des objets boutique, voilà. Bah globalement ouais, on a dit les grosses mises à jour les gars, c'est au niveau des cracks, donc de toute façon ça concerne très peu de personnes, pour ceux qui s'inquiètent par rapport à ça, il y a vraiment plus beaucoup de monde qui joue en crack maintenant, mais bon c'est un petit plus pour vous ceux qui peuvent pas se connecter, et surtout au niveau du PVP, ça c'est le gros changement, on a tout retravaillé quoi, là vraiment c'est super cool. Hyper important de dire ça, le PVP. Le PVP, même malgré que ce soit du 1.8, là on a vraiment, déjà sur la V1 c'était pas mal, mais là on a vraiment tout retapé, c'est impeccable. Alors là vous avez du PVP digne du serveur Koï, parce qu'on a en fait, on a eu quelques petits fichiers qui appartenaient à un des honneurs de Koï, donc avec qui on parle, enfin je parle bien, et du coup on a quelques fichiers qui nous ont permis de vous reproposer exactement le même PVP. Donc bien sûr c'est de la 1.8, donc il y aura quelques petites différences, mais clairement vous allez venir PVP en 1.8, vous aurez l'impression d'être en 1.7. voilà, vous aurez juste installé des mods. Encore une fois, sur le site il y a toujours le pack avec les mods si vous voulez avoir l'impression que vous êtes en 1.7 avec les animations etc. exactement.
On a fait le tour, non ? Bah en fait c'est pas qu'on a fait le tour, mais tout, on a déjà tout dit en fait dans la présentation numéro 1, donc elle sera dans la desk si vraiment on voulait plus de détails. C'est vrai. Mais sinon voilà, on voulait pas tout répéter, on vous a surtout dit les grosses mises à jour et on remercie encore une fois tout le monde. Et on vous attend nombreux, il y aura pas de lag au départ également, puisqu'on va, cette fois-ci on va bien anticiper le fait qu'il va y avoir beaucoup de connexions. On va laisser les gens se connecter par tranche de 50, enfin dans tous les cas ça laguera pas quand vous connecterez, et d'ailleurs je vous conseille de vous connecter en fait dès le début. Pour pouvoir récupérer les AP et tout, vu que toute la map est reset là, c'est le moment où jamais quoi, clairement. Voilà, donc du coup vous aurez jusqu'à 14h, enfin vous aurez à 14h vite de vous connecter. Je pense qu'on commencera en fait avec 50 slots, je vous explique un petit peu comment ça va marcher, puis les slots vont augmenter 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ne vous inquiétez pas si au début vous n'avez pas accès, continuez d'essayer et vous pourrez vous connecter juste après. Parce qu'en fait la dernière fois on a fait l'erreur, on a ouvert tous les slots d'un coup, il y avait des milliers de requêtes de connexion, puis ça a crash. Enfin, c'est pas que ça crache, mais ça met du temps à délaguer en fait. Voilà, on a fait le tour, on vous attend nombreux, et voilà, vas-y, salut l'équipe. Salut l'équipe, bisous les abonnés, à demain.